Nous sommes très fiers de vous présenter peut-être la plus rare DSM jamais construite, la SM Espace de 1971. Lorsque la SM est présentée au Salon de Genève en 1970, le style de cette auto est tout de suite plébiscité par les amateurs de GT 2+2, et Robert Opron, qui est le styliste de la maison Citroën, ne s'est pas trompé en répondant d'une façon tout à fait originale aux exigences de la maison, c'est-à-dire de construire une GT 2+2 polyvalente de série. Henri Oliez va tout de suite apprécier cette automobile et va concevoir une SM un peu différente qui constituerait la version cabriolet, la SM Espace, avec ses lamelles qui peuvent disparaître dans le toit, pouvant ainsi créer un véritable cabriolet tout en gardant la rigidité de la voiture avec une poutre centrale qui est conservée. La SM Espace est présentée au Salon de Paris en 1971. À l'époque, le prototype a un intérieur spécifique blanc et vert, tout à fait dans la lignée des 70s. Le projet n'est pas retenu par Citroën, mais Henri Oliez est absolument amoureux de cette voiture et il va se faire construire en 1972 un second exemplaire de SM Espace, qui est la voiture que nous présentons à la vente. Elle est peinte dans sa couleur fétiche bleu métallisé. Et elle a un intérieur de série Citroën, plus conventionnel, mais en très très bel état. C'est une voiture qu'Henri Oliez va garder toute sa vie. Aujourd'hui, nous la présentons aux collectionneurs. C'est l'occasion unique d'acheter la SM Espace, puisque la voiture des salons a été détruite. Et aujourd'hui, c'est une occasion d'acheter la SM la plus rare, la plus exceptionnelle, encore plus rare que les productions de Chaperon. Une des plus belles Citroën jamais construites.